passé pas mal de temps à publier des trucs revendicatifs sur mon mur. Des idées fantastiques et dénoncer les plus farfelues et les plus tordues. Je croyais mettre le feu au fil, un pavé numérique à la main, cloué à mon fauteuil tout pourri que j'aime bien. En fait, j'étais là où ils veulent que je me trouve, derrière mon clavier, en train d'aboyer tranquillement, enchaîné à mon putain de fauteuil. À lire sur le mur de la personne qui m'est la plus chère, des citations d'auteurs qui me sont dirigées, sans pour autant l'être vraiment, à moi de trouver la mienne entre toutes. Le monde s'écroule sous la bêtise humaine devant mes yeux et je le dénonce vaniteusement en public. Et je cherche un peu d'amour entre les lignes qui me sont dirigées avec l'espoir qu'un jour les choses iront mieux. Pff, putain, si je suis con. Pauvre naïf. Tu crois vraiment que c'est comme ça que tu vas arranger le monde? Chacun de nous se dissout dans la masse du partage. Mais où je suis passé, moi, dans tout ça? Dans ce putain de fauteuil qui m'aime bien. Saturé et aveuglé par mon arrogance. Faut que ça cesse. Je ne peux pas continuer comme ça. Je suis vivant et je veux le sentir. Il est temps d'agir.